La 22e édition du salon Seafood Expo Global a débuté ce mardi 6 mai à Bruxelles Expo. Considéré comme l'événement le plus important dans le secteur mondial des produits de la mer, le salon accueille plus de 1690 exposants venus de 76 pays différents. Il représente une plateforme importante qui réunit acheteurs et vendeurs des produits de la mer et met en avant les nouvelles tendances du secteur. Il y a deux tendances qu'on a remarquées parmi d'autres. Et la première, ce serait tout ce qui est produits prêts à manger, comme les produits qui sont ici. Donc, ce sont des produits, les consommateurs de nos jours n'ont pas beaucoup de temps pour manger. Ils cherchent quelque chose, une solution rapide, une solution qui soit aussi bonne pour leur santé. Et donc les exposants du salon offrent des produits qui répondent à cette demande. Et une deuxième tendance, ce serait plus pour orienter vers les enfants, pour mettre les produits du poisson un peu plus intéressants pour les enfants. La France tient une place importante au sein du salon avec plus de 50 entreprises de la filière pêche et aquaculture représentées. Le salon organise chaque année le concours Seafood Prix d'élite qui récompense des produits innovants destinés à la grande distribution ou aux services alimentaires. Cette année, deux entreprises françaises font partie des finalistes. Alors le produit, c'est le coffret plateau de fruits de mer qui propose un assortiment de produits qui sont les bulots, les langoustines, les pinces et les crevettes. Tout ça mis dans une même barquette qui permet aux consommateurs d'acheter leur packaging et de monter eux-mêmes leur propre plateau de fruits de mer, donc qui est pour deux personnes, pour un plateau normal à manger, ou alors quatre personnes si c'est en apéritif. Le Seafood Expo Global se tiendra à Bruxelles jusqu'au jeudi 8 mai.